accueille Dijon 12e. Et le but de Régis Gürtner contre son camp, extrêmement malheureux sur ce tir de Mickaël Le Bihan sur le poteau. S'ensuit cette action de Nicolas Opoku. Un tacle mal maîtrisé, carton rouge contre le joueur d'Amiens. H obtient le pénalty et c'est sauvé par Régis Gürtner. Quelle parade! Ce pénalty permet de convertir au tableau d'affichage. Arrive Gaël Kakuta, 88e minute. Son retour est spectaculaire. Il marque le but de la victoire. Et Dijon doit finir par s'incliner alors qu'il y avait 1-0 et une supériorité numérique.